Salut à tous. Alors, hop. Hop, que je me mette le chat de Twitch. Que je trouve ma chaîne déjà, ce serait pas trop mal. Voilà. Hop. Salut à tous. Hey. On est là à nouveau avec de la fièvre, le nez bouché. Bref, j'ai la crève. J'ai la crève, mais on est hal pour cette deuxième petite session Resident Evil 7. Alors, hop, je vais faire ça. Ça, voilà, c'est bon. Ça a l'air au paye. Que je me foute le chat Twitch par là. Voilà. Au niveau du sound. Au niveau des sounds, c'est bon. Donc c'est avec un rhume hein, que je vous accueille. Allez, c'est bon, on est OP, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai le nez pris, j'ai chopé une crève phénoménale. Je suis en congé et je démarre mes congés par la crève, tout va bien, tout va bien. Bon alors c'est parti, deuxième session RE7, on va continuer le jeu. On avait fait la petite ferme des Bakers, où on s'était fait attaquer par Mia, hein, la femme qu'on allait chercher à la base. Elle nous a coupé un bras et puis on s'est fait capturer par le daron des Bakers. Et là, en gros, le délire, il va falloir essayer de s'échapper, si je comprends bien. Hop là, s'il te plaît, non, voilà, sinon on va tout entendre en double et ça c'est pas bon. Voilà. Hop là. Allez, on est parti. On est parti, du coup, je pense. Alors que tout soit là. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Alors que je me foute le GMU. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, sur la fin de la dernière session, j'avais le jeu qui commençait à laguer. Donc où est-ce qu'on en était? On était capturé par les Bakers et en gros il fallait essayer de s'échapper sans se faire repérer. Donc là ça va être un mélange entre Metal Gear Solid, Siphon Filter, Sly Raccoon et bien sûr Splinter Cell. C'est parti, charger les dernières données sauvegardées, oui. Voilà. Éteindre sa veille, écouter une chaise aussi. Assis à une table d'une famille aussi mystérieuse que dérangée, il parvient à se libérer de justesse, mais n'est pas tiré d'affaire pour autant. On peut voir le festin, bien évidemment. Alors, il va falloir que... Je suis désolé hein, pour le nez bouché et tout, je vais renifler. J'essaierai en toussant et en éternuant de couper vite fait le micro pour pas vous défoncer les oreilles, c'est promis. Mais je garantis rien, il y a des fois ça peut m'échapper. Allez, on est hal. Donc voilà, avec mamie, hein, mamie voyante. Alors, me semblait-il qu'il y avait dans une pièce. Qu'il y avait une herbe. Oh, c'est tellement bien fait au niveau de l'ombre et tout.
Non, j'hallucinais. Il me semblait que dans une pièce, il y avait une herbe à un moment donné. Découvert, hein, non. Alors, elle est peut-être là, hein, mais. Ou alors, c'était pas ici, je sais plus. Au moins, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai même pas. On peut voir la petite montre, hein, avec la santé aussi. Donc voilà, il fallait ne pas se faire repérer par le daron de la famille, hein, sinon pas d'embrouille, il vous défonce. Donc pour ceci, comment se faire? Ah, elle était par là, l'herbe. Voilà. Là, voilà. Salut! Salut les gars du chat, alors j'ai eu un follow, je vais regarder de suite qui c'est. Ah, double follow. Alors j'ai moins peur, j'ai baissé le son. J'ai baissé le son. Ah merci Legbot pour le follow. Merci Théo. Qui j'ai eu ensuite, je ne sais pas. Je ne sais pas, il me semble que j'ai un autre follow aussi, mais bon. Salut à Cano Rocket. C'était plus drôle quand ça me faisait peur. J'ai baissé le sound. J'ai baissé le sound. Et à Cano Rocket, merci pour le follow aussi. J'ai baissé le sound exprès pour pas que ça me fasse flipper. Alors, on va descendre ici. Il y avait une herbe à un moment donné, putain, à fumer là. Alors là, c'est simple, faut pas se faire repérer par Joe, le daron du jeu. Oh ah non, 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 mais non, mais non, mais casse-toi. Ah. Il est ouf. Voilà, il est ouf. Casse-toi. Ah putain! Barre-toi! Cours, cours! Il t'a pas vu! C'est vraiment les... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, il m'a chopé! Ah non! Oh non, mais non, il est invincible. Ah, il m'a tordu le bras. Défends-le, je peux pas me défendre. Pathétique. Ah putain, je suis mort. Ah. Putain, mais comment tu le... Ouais, mais en même temps, j'ai fait le con. Alors attends. Se cacher dans l'ombre et rester silencieux, donc faut pas. En gros, faut pas. Ok. Ça, je m'en branle. La carte, je suis la carte. Ah, X pour faire un demi-tour rapide, ok. Parce qu'en fait, au fond, là-bas, là. Wesh, salut les gars. En fait, ici. Enfin, ici. Là-bas, là, il y a une clé à choper. Cette clé ouvre la trappe d'une pièce. Voilà, c'est pour ça que là, vaut mieux se barrer, quand on le voit. Il peut pas arriver de par là. Putain, mais le mec, il a franchi le mur, quoi. J'ai pas suivi entre la fin du premier stream et le début. Donc là, en gros. Hop, je vais repasser en mode où c'est que c'est.
OBS, bim, transition. En gros, pour le monsieur du fond qui n'était pas là, on incarne donc Ethan, Ethan hein, en français. Ethan, en gros, il avait une meuf, Mia, qui s'est barrée et qui envoie un message pour lui dire « Bon, cherche pas à me récupérer, voilà, c'est mort. » Et 3 ans après, ce certain Ethan donc, reçoit un message en disant, qui lui dit « Viens me chercher à la ferme des Bakers, signé Mia. » Donc en gros, le premier chapitre, on était à la ferme des Bakers. Pour ceux qui ont fait la démo, donc c'est la ferme de la démo, pardon. On a trouvé Mia, sauf qu'elle s'est un peu mutée, elle a été un peu mutée par un virus. Donc elle nous attaque, elle nous coupe le bras, on la défonce. Et à la fin, on pense qu'on s'échappe dans le grenier. Et en fait, on est capturé donc par le gars qu'on a vu qui m'a victimisé. Et donc on se réveille, on est au repas là, on est attaché. Il y a 3 membres de la famille qui d'un coup se barrent. Et donc du coup, nous, on se fait tomber de la chaise, on se libère. Et voilà, là, on arrive là. Le but, c'est de s'échapper, voilà. Ah merde, non, faut que je vous remette par contre. Voilà, faut que je vous remette ça. Allez, on est parti. Je crois qu'à un moment donné, il passe par là. En fait, je sais qu'au bout, là-bas, là, là où on l'a vu là tout à l'heure, il y a une trappe. Il y a une clé, pardon. Et c'est la clé de la trappe qui se trouve... Alors, attendez. Voilà. Ici, il y a une trappe. Là, pardon. Ici, il y a une trappe. Et la clé de la trappe se trouve par là. Voilà. Est-ce que Mia danse Non, mais elle nous a bien fait danser. Hein. Mais je l'ai faite, la vanne. Putain, mais où est-ce qu'il est, du coup, ce bâtard, là? Non, non, non. Voilà. Au revoir. On n'a pas vu. On va profiter. Là, je cours pas. Et là, faut que j'essaye de me cacher. Là, moi, je dis, je me cache. Putain, j'ai pas envie de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait demi-tour. Ok, là, je suis accroupi. Je sens qu'il est par là. Hein. Il se rapproche, le con. Je le sais, mais je... Ah, non, voilà. Pas que je me trompe de bouton, c'est C pour s'accroupir. Ce qui m'emmerde, c'est que... Il est où? Il m'a trouvé. Mais il est où? Ah, ah non, tu m'as pas manqué. Barre-toi de là. Sac à puce. Tu mourras pas! Ah! Non, tu ne mourras pas! C'est ici, c'est ici! C'est là! Allez, go, 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 go! Descends! Descends, dépêche-toi! Allez! Ah! Ouais. Ouais. Ok. Bon, c'est là que je sais plus quoi faire. Hein. Je suis jamais allé jusque là. Il est pas loin. Il est au-dessus, le bâtard. Là, il y a un truc. Une pièce antique. Ok.
Ah ouais, j'ai fait un pari. Hein. Just defend et puis run. Run, Nigel Undayo. Non, j'ai pas envie. Il est pas derrière, il est pas là. Épée. Ah, une sauvegarde, ok. Ah ouais, just defend. Alors attends. Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants que je vous salue? Ça me permettra de faire une pause et de récupérer. Yo Mike! Ah putain, en plus Mike il a dit qu'il avait déjà dosé le jeu. Ah énorme, il y a des coffres. Ok, merde, putain j'ai fait trop échappe. Un plan de la résidence. Ah ça c'est cool. Il y a un téléphone. On a de l'herbe. C'est bon, on va pouvoir se mettre bien. On a de l'herbe. Bon, normalement, à partir du moment... C'était les chaussettes de Junior Léo. À partir du moment où on est HAL, dans ce genre de pièce, c'est qu'on est safe, logiquement. On a un crochet, ok. Donc ça veut dire que je peux crocheter. Ouais, il y a deux fins, d'accord. Ouais, mais me spoil pas trop du coup. Ah, fluide chimique. Ok. Allez, raccroche. C'est bon, sans bras. Est-ce que j'ai tout fouillé? Je vais tout fouiller et je vais essayer de save après. Ok. Non, là c'est là d'où je viens. Donc on est bon. Allez. Et tu incarnes son fils. Ah, ça c'est Jojo enfoiré. Merde. Alors attends, buanderie, ok. Il y a un crochet. Qu'est-ce que je peux crocheter? Ça, c'est là d'où je viens, en passant par la trappe. J'ai fait le tour. Non, attends, ça c'est des escaliers. Donc, il y a le hall principal. Qui est atteignable par ici. Il y a le garage, je peux rien faire avec. Je pense qu'il faut crocheter la serrure du hall principal. Je pense, hein. Parce que du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai une herbe. Crochet. Fluide chimique. Crochet. Se casse facilement. C'est déverrouillé. D'accord. Ah oui, ça y est, je sais pas où on est. Normalement, on est... Merde, putain, la carte, c'est V. Voilà. Donc là, on est là. Séjour, il n'y avait rien de plus. Où est-ce que je peux aller? Là, le garage, il y avait Chi. Ça, je sais pas ce que c'est. Et non, de toute façon, je suis dans ce couloir. Il faut que j'aille forcément au hall principal, hein, en fait. Il y a que là. Il y a que là que je peux aller. Ah, ça lag! Bien joué, Tom. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Toi, et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Ils lui ont recousu en fait. J'avais pas fait gaffe. Ils lui ont recousu le délire. Je
pense pas qu'avec la serrure que j'ai, je puisse crocheter le... Je pense pas que je puisse crocheter ce délire, mais bon. Putain, mais ça rame, ça fait des suspens du coup. Pourquoi le jeu rame comme ça? Il n'y a pas de serrure. Ok. On peut aussi utiliser ça ici. Ok, bon. C'est une énigme donc à la con. Putain, mais ça rame de bâtard! À la fin, il y a un générique. Putain, j'avais pas vu, mais il était trop con. Ok. J'ai pas spécialement... Hey, vous! Qui? Mais qui me parle? Qui c'est qui me parle? Oh! Allô? Ouvrez. Le jeu! Hey! Mais ça vient d'où? Hey, vous! Mais où hey, t'es? Par ici! Hey, vous! Hey, vous devez m'aider! Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas! Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer! D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien. Je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez. J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Ah, non. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. On va pouvoir mettre des coups de schlasse. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Quelque chose me dit que je vais pas pouvoir aller dans le garage. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Munition de gun. Quand on avance. Hé, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, remontez cette porte. Remontez cette porte. Attendez! Ah, j'ai rien vu, ça bug. Oh non! Oh mais non! Comment je m'échappe? Barre-toi! Je vais tous vous tuer un par un. Clé de bagnole? Monte à la bagnole! Monte à la bagnole! Je pense que c'est pas ça, hein. Je crois que je vais recommencer. Démarre! Je peux pas le buter.
Bon bah je crois que c'est pas la bonne strat hein. Ta voiture. Démarre. Moi je te dérouille mon gars. Bon je sais pas. Là honnêtement je vois pas hein. Je peux pas sortir de la bagnole. Oh merde! Sacrée bagnole, t'as! Qu'est-ce que je fais là? Non, finissons-en, toi et moi! Ah bon? Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Mais je fais ça. Non. Est-ce que c'est game over? Bah, apparemment, c'était ça, hein. Mais lui, il est jamais mort, lui. On le sait pas encore, mais il est jamais mort. Un lien avec les précédents RE, pour l'instant j'en ai pas trouvé, étant donné que... Oh. Ah oui. Ah là je dis oui. Allez, monte à l'échelle. Pourquoi il monte pas? Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain! Mais il meurt jamais! Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut se barrer pour de vrai? D'accord, tu crois que c'est vraiment le moment là? Ok. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et ça là, je vais aller sauvegarder. Je vais juste quitter et relancer le game. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça, putain. Et en plus, non, il y a même pas de drop de frame. Faut que je quitte le game. Je vais le relancer. Non, mais je sais pas si t'as fait gaffe. Ouais, je suis sur PC, Mike. Je suis sur PC. Non, je sais pas si t'as fait gaffe, Legbot, mais là, ils me l'ont recousu. Quand ils regardent la montre, comme ça, tu vois les traces de couture. Tu vois, moi, ça laguait pas sur PS4. Ouais, non, mais en plus, c'est même pas, ça vient pas du PC, quoi. C'est pour ça que je comprends pas. Pour ça que je comprends pas, du coup. Ouais, il est en train de synchroniser là les données
sur Steam. Bon, le mec, il est increvable, apparemment. Ouais, je sais pas pourquoi du tout ça lag comme ça. Alors que sur le stream, la première session que j'ai faite, il y a que sur les quoi? Allez, les